Bien, nous nous retrouvons pour vous une semaine plus tard. Moi, je tourne à la suite de l'épisode précédent. Et je voulais vous dire un truc. Mais je sais plus. Oui, voilà, vous avez ces épisodes-là, du coup. Donc là, je les ai tournés il y a un petit bout de temps pour vous. Mais voilà, c'est parce que pour le moment, bah, j'ai fini World of Warcraft Shadowlands. J'attends que Dragon's Wings soit sorti sur Firestorm. Et donc, c'est pour ça que je vous diffuse du BBS maintenant. Voilà, donc le samedi. Voilà. Et là, je vais donc tourner ces épisodes-là. On verra s'il y en a d'autres qui se mettent. Et viendront là à la suite, tout de suite après, les épisodes de. De. La guerre sanglante de Milan, que j'avais tourné au mois de mars de l'année dernière, et qui sont toujours sur mon disque dur, que je n'ai jamais publié. Voilà, ils seront publiés là, les samedis, là, en attendant que World of Warcraft puisse reprendre. Voilà, c'est tout, c'est ça que j'ai oublié de vous dire à l'épisode précédent. Donc voilà, c'est... Voilà. Et autre chose, je n'ai pas le temps, je communique très peu dessus, je devrais communiquer. Vous l'avez peut-être vu sur ma chaîne YouTube, si vous allez sur ma chaîne YouTube. J'ai ouvert un Tipeee, parce que je ne suis pas monétisé hein, sur YouTube. Il y a un Tipeee, si vous voulez, voilà, me donner 1 € pour les Let's Play que je produis. Voilà, si vous savez pas quoi faire d'un euro, eh ben vous pouvez le déposer sur mon Tipeee. Voilà, on est parti. Donc là, c'est cette histoire secondaire, dont j'ai même pas lu le nom. Je l'ai lancé sans lire le nom. Et on fera des tirages après. Déjà le matin. Quel est le programme? Tiens. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je me sens un peu différent. Non, je me sens complètement différent. Aujourd'hui, je me sens prêt à faire quelque chose de grand, d'immense, de colossal, à soulever des montagnes. Et Ichigo, la journée s'annonce splendide, hein? Eh oui, si tu le dis. Je me sens en pleine forme, quelle patate. Et donc? J'irais bien faire un tour dehors, mets-moi dans ton sac, qu'on aille au lycée ensemble, ok? Nyeh. Bah oui, réfléchis, si je suis avec toi, tu peux te changer en Shinigami plus facilement avec une bonne... c'est une bonne idée, hein? Non. Hein, mais pourquoi? Tu t'es vu, pas question de me balader avec toi comme ça. Quoi? Mais c'est pas humain d'être aussi peu compréhensif. Ferme ton clapet. Ça suffit comme ça, tu restes bien sagement à la maison, point. Mais c'est dingue, il a une pierre à la place du cœur. Je lui demande juste de me mettre dans son sac, c'est pas la mort. Mais quand même, pourquoi je me sens comme ça aujourd'hui? Une chose est sûre, j'ai 100 fois plus d'énergie que d'habitude. Est-ce que j'aurais changé? C'est sûr, je ne suis plus moi, plus le même. Ichigo l'a senti, ça explique son attitude. Cette force nouvelle qui vient du plus profond de moi-même. Cette soif d'inextinguible aventure, un nouveau Ken est né. C'est exactement comme dans les grands classiques des mangas pour ados quand le héros trouve en lui une force nouvelle, insoupçonnée. Je déborde de force et de courage, mon aura se répand sur le monde. Reste bien sagement à la maison, haha, moi c'est une blague. M'enfermer dans cette pièce minuscule, c'est priver le monde de ma lumière, et voilà, c'est un crime contre l'humanité. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le même, je suis le roi du monde. すっごいな。その程度ですか。
Comme le monde resplendit aujourd'hui. Pour commencer, je vais me balader par ici. Tiens, qui va là? Mais c'est Tchad? C'est Giga Tchad. Qu'est-ce qu'il fait là à cette heure-ci? Il a fait la grasse matinée. Il va au lycée. Seulement maintenant, aucun sens de responsabilité. C'est les jeunes d'aujourd'hui. Ah, les jeunes! Hein? Pourquoi il se met à courir vers moi? Stop, c'est moi. Qu'est-ce qui te prend? Tu ne me reconnais pas? Pourquoi il dit rien? Il me file la pétoche. Non. T'approches pas. Je laisse mais. Mais qu'est-ce qui lui prend de me courser comme ça et sans dire un mot du début à la fin? Je suis vanné, je vais me reposer ici 5 minutes. Oh, tu as vu cette peluche là? Ouais, c'est trop mignon le lion. Oui, j'ai envie de lui faire un câlin. Oh là 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 là. Bon, elles sont parties. Mon heure de gloire a sonné. Le verdict est unanime. 100% des minettes interrogées jusqu'à présent me trouvent trop trop mignon. Ok. Le monde serait-il enfin prêt à me découvrir? Il lui en aura fallu du temps, mais ça n'a plus d'importance. C'est le passé. Aujourd'hui, je suis le roi du monde. Bien, je repars faire un tour. Miam, des sous-tickets. Donc c'est quoi le nom de cette... les mésaventures de Conn, la forme ultime. Ouais, et la gueule de la forme ultime, quoi. Ah, c'est moins stylé que l'ultime Getsuga Tenchou, hein. Ou la forme vaste des Lordes. Je viens de ces... Je tiens une de ces patates, moi. Je fais la peluche, je prends la pose, et toutes les poulettes à portée me couvent du regard, hein, irrésistible, je vous dis. Les poulettes en devenir, les poulettes d'aujourd'hui, les ex-poulettes. Putain. Elles me veulent toutes, le roi du monde, c'est moi. Y a pas d'erreur, je ne suis plus celui que j'étais hier. Aujourd'hui, c'est le premier pas vers la gloire. Regarde-toi dans un putain de miroir. Et demain, le monde. Karakura, prépare-toi. Pare-toi de tes plus beaux atouts. Conn te fait l'honneur de sa présence. Ouais, j'ai dû faire des kilomètres. Bon, c'était un vrai plaisir, cette visite de mon royaume, mais il va être l'heure de rentrer. Quoi? Un monstre au secours. Que cette fille, elle voit les holos. Bon sang, je dois prévenir Ichigo, et... Mais non, qu'est-ce que je raconte? Je ne suis plus celui que j'étais hier. Aujourd'hui, les holos, je leur casse la tête. Bouge pas, poupée, je vole à ton secours. Et merde, avec ce corps, je n'y arriverai pas.
Tout va bien, Con? Serait? Tu es fou de faire des choses pareilles avec ton corps en peluche. Et que veux-tu? Je ne pouvais pas laisser une jeune fille innocente à la merci d'un holo. Je suis comme ça, moi. Ah oui, c'est tout à ton honneur, mais n'en fais pas trop. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? J'ai un bouton sur le nez, une tache. Désolé, non, non, tu n'as rien. Je me disais juste que tu étais un peu différent aujourd'hui. Ah, toi aussi, tu t'en es rendu compte? Eh oui, hein. Bon, le principal, c'est que tu te sens bien dans ta peau, je suppose. Oh là là, ah putain, je crois que Rukia, elle a pensé, ça y est, il fait sa transition, con. Le malaise! あ、危なかったっすね。Alors, je connais quelqu'un qui fait sa transition. Une fille qui veut devenir un homme. Enfin, une femme qui veut devenir un homme. Bon, c'est spécial, on va dire, mais bon, c'est comme ça. Ah oui, il est 17h passé. Écoute, attendez, je récupère mes bonus du jour. Oui, super. Et par contre, je crois que j'ai cliqué sur le mauvais bouton. On n'a pas fini là. Non, non, on n'a pas fini. Non. Ah, oh, je fais n'importe quoi. Rukia, un holo est apparu dans le coin. Non, on dirait qu'il n'a pas posé de problème. Non, tout va bien, je m'en suis occupé. Ça va, tu n'es pas blessé, Rukia. Comme tu le vois, je vais parfaitement bien. Toi aussi, Con, tout va bien? Quoi, Con? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de rester bien sagement à la maison, oui ou non? Ferme ta bouche, espèce de tyran. Je l'ai dit, je le répète, je ne suis plus celui que j'étais hier. Un problème? Non, monsieur. Avec Con, aucun problème. Je fais la peluche à la perfection. Les gens m'acclament dans la rue. Mais c'est pas le problème. Mais enfin, c'est la même chose à chaque fois. Réfléchis un peu. Et puis, tu te rends compte que tu racontes n'importe quoi. Tu as vu ton accoutrement? Tiens, regarde-toi dans ce miroir-là. Enfin! Hein, quel accoutrement, de quoi tu parles? Ça va être quoi la réaction là? Ça va être quoi la réaction? Mais c'est quoi ça? Comment, pourquoi, au secours, assassin, qu'est-ce que c'est cette fantaisie cauchemardeste? Ichigo, réponds-moi avant que je t'étrangle, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est pas moi qui ai fait ça, et puis tu aurais pu t'en rendre compte un peu plus tôt, non?
Hier, pendant que tu dormais, j'ai vu que tes coutures étaient en train de lâcher. J'ai demandé à Oryu de réparer ça et voilà le résultat. C'est un coup d'Oryu. Soit c'était Oryu, soit c'était les sœurs. Soit c'était Yuzu et Karine. Enfin, plutôt Yuzu, en l'occurrence. C'est plutôt réussi, non? Plutôt réussi, plutôt réussi. Ah! C'est un coup de poignard dans le dos, oui, t'aurais pu prévenir, demander. Mais quel ingrat, j'ai refait toutes les coutures à la perfection, tu pourrais me remercier. Qui te parle de couture, personne ne t'a demandé la permission de rajouter des options à coucher dehors à ma carrosserie. À coucher dehors, dis plutôt que tu es trop rustre pour apprécier la délicatesse de mon travail barbare. Monstre binoclard, je veux redevenir comme avant, là, tout de suite. Voilà, c'est bon, tu vas arrêter de te plaindre maintenant. Devant, ok, à droite, à gauche, ok, ça a l'air d'aller. Et derrière? Te revoilà comme avant. Ça aurait été si simple si tu avais fait comme ça dès le départ. Moi qui avais fait un travail impeccable. Dis Uryu, la prochaine fois on a qu'à faire quelque chose sur le thème des peluches au club de travaux manuels. Tel que je te connais, je suis sûr que tu créeras quelque chose d'adorable. Et puis tu pourras faire ce que tu veux sans que personne ne vienne se plaindre. C'est vrai, bonne idée. Je vais de ce pas acheter les fournitures nécessaires. Bye bye. J'ai de l'expérience en tant que peluche. Si tu veux un conseil de spécialiste, Non merci, ça ira. Tu es dénué de sens éthique. Et de sens esthétique. Comment ça? Dit Ichigo derrière sa tête là. Oui, j'ai vu dans le plus pur style Quincy, hein. On attend encore un peu avant de lui dire, hein, d'accord. Combien de temps lui faudra-t-il pour s'en rendre compte? Il a une croix bleue derrière la tête maintenant, qu'il n'avait pas au départ. Et oui, c'est un coup de d'Oryu. Bien! Eh bien, tirage! On est parti pour ça. Je vais tout de suite prendre, parce qu'on va en avoir besoin après. Hop. Les free endpoints. D'ailleurs, je dois être vraiment limite à niveau jour. Eh non, ça va, ça va. Hop. Je vais déjà remplir ça. Ce sera pour après. En vrai, on va faire ça d'abord. Pour une fois, on va faire ça d'abord. Parce que déjà, ça dure moins longtemps qu'avant. Parce qu'on peut les faire en beaucoup plus grand nombre. On peut les faire 50 000 par 50 000 de mémoire. Eh ben, je vais vider la liste en fait. Ah, voilà, là je suis plein. Hop. Non, c'était pas ça, c'était magasin. Voilà. On va pouvoir faire déjà un tirage de fois 100. En fait, on va faire deux tirages de fois 100 déjà pour commencer. Ok. Mais ça va beaucoup plus vite qu'avant, hein. Ok, du coup, pas mal de larmes, ça c'est cool. Et 4 volontés du. Putain, seulement 4 volontés du Goku. Ouais, c'est pas énorme, mais voilà. Après, voilà. Les loots ont un peu changé, hein, notamment les rouleaux et tout, là. Hop. Et 32 quand même. Stylo de réécriture, c'est pas mal non plus, ça. Hop, 50 000 de plus. Mais ce qui compte surtout, c'est volonté du Goku, hein. Et puis, c'est vrai qu'il y a les. Ah mais oui, c'est comme ça qu'on peut avoir les grosses potions en fait.
J'en voulais des grosses potions comme ça. Ok, bah super. Et si vous lancez du Goku? On va prendre le reste. Hein, parce que de toute façon, je suis pas sûr de quand sera le prochain épisode que je tournerai. Ok. 14 000, ouais, donc x20. Ok. Et du coup, juste avant de faire les autres tirages, ce que je veux faire, c'est là. Est-ce que j'ai de quoi? Eh oui, le monter niveau 15, c'est ce que je voulais. Voilà. Ok. Équipé. Alors, qu'est-ce que je peux lui rajouter? Non. Tac, tac, tac. Plus de Kant. Non, j'ai déjà plus de Kant une fois. Pas besoin de. En vrai, je vais mettre régénération. Pour. Parce que de toute façon, Hop. Je vais mettre régénération sur celui-là. Sur les autres, j'ai mis survie. Mais sur celui, je vais mettre régénération parce que cette aura rara-là me sert surtout c'est aux entraînements. Donc il faut juste qu'il donc il fait des missions normales. Il va pas dans des il me sert pas au PVP donc autant qu'il soit rentabilisé comme ça. Est-ce que du coup je peux un autre emplacement? Non j'ai plus assez de potions pour le reste. Puis j'ai pas les potions comme ça, les grosses potions. On va vite fait regarder si je peux pas augmenter un petit peu les emplacements des autres. Non, pas pour Onoana. Non plus. Parce que malheureusement pour farmer ces potions-là, c'est un petit peu. C'est un petit peu la galère, je dois avouer. Ah. Je peux augmenter un emplacement de 1 ici. Est-ce qu'un deuxième emplacement? Non, il faut 150 grosses potions là. Ok. Ça, c'est mon équipe de PVP. Hein. Bon, c'est mon équipe leader pour les grosses grosses quêtes et les quêtes de. Les quêtes de. Voilà, vraiment dur quoi. Ok. Bon, tirage des personnages depuis que j'en parle. Du coup ici, qu'est-ce que j'ai? Ah, hop, on a un tirage ici qui fait que 150. On va pouvoir la faire rapidos. Non. Celle-là, je l'ai faite une fois. Bon,
On va faire les tickets de premium alors. J'ai quelques 6 étoiles là. En vrai, on va les faire. Parce que ça date un petit peu. Les 70 millions et 75 millions. Je les ai jamais fait. Et du coup, on va faire ça rapidos. C'est des 6 étoiles, voilà, d'entrée de jeu. J'aime pas trop ces tickets là. Parce que voilà, c'est pas. D'accord, Findor. Je me souvenais plus de ce perso, mais. D'accord. Bon, bah super. Voilà, il m'a rapporté 75 orbes, mais moi j'aurais préféré qu'il. Pouvoir le maxer à fond, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Hop, mai 2023, je sais pas ce qu'il y a eu. C'était le mois dernier en plus, hein. Enfin, pour moi c'était le mois dernier. Ah, c'est Onana ça? Ah non, c'est Nemu. Bon, Nemu que j'ai déjà. Itsugaya. Ah, un nouvel Itsugaya. Ok, d'accord. Bon. J'aurais pas la joie de maxer du coup, hein. Bon, c'est pas grave. Les déchaînés, je m'en fiche. Alors, et les 5 étoiles, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. 9, 5 étoiles déjà là. Donc voilà, on va déjà voilà, regarder ces 5 étoiles là. Shinji. Un nouveau Shinji. Alors ça c'est cool, c'est qu'on a des nouveaux personnages. Et j'aime pas les 6 étoiles parce que ça ne rapporte que 75 orbes alors que si on a un nouveau 5 étoiles et qu'on le max entièrement, bah, il rapporte 130 de mémoire. 135, 135, non 75, non attends, c'est combien? Ah non, c'est ça, 75 orbes en fait. Non, je sais plus. Ça, il rapporte 50 plus. Non. Oh, je sais plus. Une 125 orbes. Il ramène 125 orbes de mémoire. Onana que j'avais déjà. Inoue. Une version que j'avais déjà. Voilà, un arancœur. Ah, je l'avais pas celui-là. Ok, d'accord. Personnage totalement oubliable dans la série, hein, pour le coup. Hein. En fait, les fractions de Baragan, on en a un peu rien à secouer, je vous avouerai. Oh, le duo Yoroichi Siphon. Ouais, je l'avais déjà. Ouais. Mais on le voit rarement, celui-là, par contre. Ah, c'est Onana. C'est une version que j'avais déjà. Ah,
Ah bah ok, on l'a déjà eu. Donc on l'a à nouveau. Et deux loteries d'anniversaire. まずは簡単に自己紹介しておくぞ。イサギ。俺は6回生のイサギだ。わしはウェコンドの王。あ、なるほど。わしは神。永久に死なぬ。バラガン. D'accord, Isagi, c'était une nouvelle version. On a 50 tickets de loterie, 4 ou 5 étoiles. Donc, eh ben, on est parti. Hein. Ah bah, non, remboursé. Oh, 50 tickets, pas un seul 5 étoiles. Oh, la rage. Oh, la haine. Et les loteries Brave Soul qu'on peut faire 100 fois par 100 fois. Donc on a 4 tirages à faire au total. Là, on va avoir des 5 étoiles là. Oui. Bon, pas de nouveau malheureusement. いつから錯覚していた。お前が母ちゃんの子宮が薫る時からや。 しばらく遊んでやりたいな。この世界のあらゆる事象を僕の意のままに誤認させる。それが強化水月の真の能力です。助ける。おお。俺の力で。おお。Oui. Ah, ça, ça fait plaisir de le voir lui. La forme vasto de l'ordesse de Ichigo. Franchement, je la kiffe. Je la kiffe cette forme. Ok, donc Shinji, c'était une nouvelle version. Et cette version d'Aizen, je ne l'avais pas. Alors que je pensais avoir cette version quand il était jeune. Ichigo. Ouh, ah, ça, cette version-là, elle est cool. Ah, le duo Ichigo et White Ichigo. Putain, mais par contre, dans le jeu, il y a trop de versions d'Ichigo différentes. C'est abusé. Kensei. Putain, aucun nouveau 5 étoiles, quoi. C'est que des 5 étoiles que j'avais déjà. だと言っているんだ。ウルキュラ。お前の目には見えているか。この世のすべての虚無が。ふたん、2 versions de Ulkura。必要なのは恐怖じゃない。そこからは何も生まれない。キスケ。ああ。守る。俺の力で。 Ah.
Ah, Tenzan Zanketsu. Et encore une fois, bah, que, aucun. Voilà. Est-ce qu'on fait les 50 dernières fois? Oui, allez, on va vider le stock. Hein. Ah, Yamamoto. Ok. Bon, moi je crois qu'on a fait le tour. J'ai 402 millions de comptes. Progressivement, je vais retourner au milliard, hein. Mais bon. Ah mais attendez, alors dans les 4 étoiles, on avait une Rukia. Est-ce que je l'ai récupérée de base déjà? Je l'ai même pas récupéré, donc je sais même pas en fait si bon, on verra. Du coup, tout ça, de toute façon, voilà, ce sont des 4 étoiles. On va feed, du coup, juste histoire de libérer un petit peu. Et je voudrais feed avec des persos, voilà, que j'ai pas, qui sont pas encore maxés, parce que j'ai donné la priorité à ceux-là. Hein. C'est ça, donc c'est 50 et 35. C'est ça, hein? Non, c'est ça. Non, pardon, c'est 50 et 75, donc ça va être bien 125. C'est ça. Bon, ça va, j'arrive à diminuer mon... à réatteindre ma limite. Bon, ok. Et donc lui, il y aura le... l'entraînement à faire, du coup. Suivant. Eh ben, on a un autre Shinji là. C'est tout, hein. De toute façon, il n'y en a pas d'autres. Non, c'est ça, bah Shinji. Après, il y a le mammouth là, mais. On a combien de temps là, attendez. Ouais, de toute façon, voilà, on va pas tarder à s'arrêter. Juste, je feed cela avec vous. Et après, bah, ce soir, de toute façon, je les entraînerai, ils seront déjà niveau 150 ce soir, hein, je pense.
Ah, ça y est, déjà j'ai évacué tous mes 3 étoiles là. Ah, c'est bon. Non, non. Hop. Parce que c'est trop gourmand en cristaux hein, de les augmenter comme ça. Quand ils passent de 5 étoiles à 6 étoiles, ça va, ça coûte pas trop cher en cristaux. Mais quand c'est pour les maxer des 6 étoiles, ça coûte un petit peu cher en cristaux. Du coup, il me reste. Ah oui, il me reste donc Aizen et le mammouth. Bah, on va faire un. Ah oui, et puis il me reste cette version aussi d'Isagi. Donc il me reste encore 3 persos à prioriser. Ah, je suis repassé en dessous des 400 millions. Eh, ça coûte du pognon, mine de rien, hein. Après, voilà, hein, les gros cristaux, j'ai 102 000, 102 000 gros cristaux d'expérience, hein, c'est pas ce qui me manque non plus, quoi, à force de farmer. C'est normal. J'ai l'impression qu'ils ont changé un peu l'intelligence de ça, de pour feed. Parce que je sais pas, parfois ça prend du coup pas forcément les bonus. J'ai l'impression que le calcul a changé et qu'il est mieux optimisé. Ce qui est pas plus mal. Voilà, je remplis juste mon. Histoire d'évacuer aussi. Histoire d'avoir du feed. Et surtout, je voulais voir du coup la Rukia. Ouais, je l'avais déjà. Donc, elle est pas à maxer. Dommage, ça aurait été 35 orbes en plus. Ouais, c'est ça, c'est 4 étoiles qui ramènent 35 orbes contre les max. C'est ça que j'avais en tête et que j'arrivais plus à identifier dans ma tête. Hop. Shuei. J'ai déverrouillé un succès. Je peux avoir encore des orbes supplémentaires. Ok, du coup, lui, ben ouais.
Ah. Ah, ça y est, je commence à être en pénurie de matériaux. Des gemmes rouges. Eh ben, je sais quoi farmer ce soir. C'est cool. Eh ben, on approche de la fin de des feeds, c'est cool. Ouais. Bon, il manque quoi? En vrai, eh. Hey. Petite gemme rouge. Oui, j'aime. Une petite gemme rouge, donc d'attaque. Ouais, 7 millions pour 750, 7 500. Hop, allez, c'est réglé. Je sais plus si ça tombe dans les. Non, ouais, ça tombe pas là. Hop, on va aussi récupérer ça tant qu'on y est. Parce qu'on a quelques trucs à récupérer. Ah oui, puis il y avait des cristaux aussi là-dedans, du coup. Ah, lui, il peut être... Bon, on verra plus tard. Sous tri, croissant, on y va. Hop. Ouais, nickel. Oh, voilà. Du coup, équipe d'entraînement. Et surtout, eh ben, on va faire les deux Shinji. Parce que j'ai un doute sur lequel il peut être ressuscité. Il me semble que c'est celui-là, hein, qui peut être ressuscité après. Mais du coup, voilà mes quatre personnages que là, je vais devoir maxer en priorité. Pour obtenir des orbes supplémentaires. Et puis, puis voilà. Puis après, bah, je ferai les autres 5 étoiles. Mais là, pour le moment, ça va être ceux-là les prioritaires. Bien, et ben, j'ai un peu de travail, du coup. Pour maxer tout ce petit monde. Sachant que, généralement, alors, de temps en temps, lors des mises à jour, et ben, évidemment, il y a des. Il y a des nouvelles résurrections qui se mettent en place. Et voilà, ça arrive petit à petit. Et quand c'est comme ça, bah, je les fais. Hein, je fais les résurrections. Ça me fait des personnages en plus à monter. Et qui rapportent des orbes, du coup. Et puis, bah, c'est tout.
Petit point peut-être rapidement avant de nous quitter, et on va se quitter là-dessus, c'est sur le nombre de Ogyoku que j'ai. En fait, vu qu'il y a beaucoup de quêtes qui en lootent, en fait, voilà, les volontés de Ogyoku qui, à une époque, étaient la galère pas possible à avoir, eh ben maintenant, voilà, j'en ai 1877. Faudrait aussi peut-être que je trouve un bon perso en technique, que je puisse maxer en cas de besoin. Parce que mes potions de technique, c'est un petit peu ce que j'ai le plus. Mais vu que j'ai jamais monté de perso technique, d'emplacement de perso technique, ben, faudrait peut-être le faire en fait. Enfin voilà, ça c'est du détail. Mais c'est là quoi. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, on a encore une petite minute ensemble. Je me pose la question, c'est quel est mon perso technique le plus puissant? Qui a le plus d'attaque? Croissant, filtre, technique. Non, pas croissant, décroissant du coup. Hop. Décroissant. Eh ben c'est cet Ikaku. Mais parce qu'il a des équipements sur lui et je sais pas pourquoi. Je vais virer ses équipements. C'est pour ça que ça biaise. Bah c'est simple, son attaque de base c'est 798. Est-ce qu'il y a un perso qui a plus de 798? Bah oui. Mais pareil, elle doit être équipée. Ah non. Donc ma perso la plus forte avec 652 d'attaque, c'est Ururu. Et ouais, et Ururu, ça a toujours été un personnage assez compétitif. Et je me demande s'il faudrait quand même pas que éventuellement. Est-ce que ça serait possible? En vrai, il y aurait carrément moyen, hein. Bon, ça coûterait cher, hein. Ça me coûterait 3000 larmes, parce qu'il faut multiplier tous ces prix-là par 3. Ça me coûterait déjà 3000 larmes vertes. Et 250 fois 3, 750 potions. Et bah, 6 millions de cantes. Et en vrai, je pourrais. Ça deviendrait un personnage assez puissant. Qui serait compétitif. Peut-être même plus puissant que ce que j'ai actuellement dans mon équipe d'entraînement. Bref, voilà. Ce serait éventuellement un truc que j'ai à faire. Si j'ai envie de monter un perso technique, ça serait éventuellement Ururu. Du coup. Bon. On verra. Peut-être qu'un jour je le ferai. Sous le tri. Voilà. En attendant, je vais rester un petit peu en mon entraînement. Et sur ce, ben, je vais aller faire mes quêtes de groupe. Et je vous dis ben, à la semaine prochaine pour vous. Peut-être pour un autre épisode de BBS ou autre chose que j'aurai comblé. Ou alors il n'y aura peut-être rien ce samedi prochain. Après tout, il n'est pas obligé d'y avoir quelque chose. En tout cas, vous aurez quelque chose le mercredi, c'est sûr. Et si. Ah non, si. Si vous n'avez pas d'autres épisodes de BBS normal, je suis bête, il y a la guerre de sanglant. Il y a la guerre sanglante de Milan qui va commencer du coup la semaine prochaine. S'il n'y a pas d'épisode de BBS qui sera tourné entre deux. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour vous. Et puis bah, à plus tard aussi pour moi.